Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans Téléjournal La Poisse. Rapidement, mes grands titres, nous allons développer pour vous. Mais puis, gros point cap, dominé actualité, hein, en gérer de l'eau pour augmenter production nationale, c'est sous thème ça. Fête agriculture avec travail là, célébré dans le pays, cérémonie officielle là, déroulée hier mardi 1er mai à la rivière Marion, localité Grand Bassin, dans le département Nord-Est. Dans l'occasion, célébration fête travail à Agriculture, président République là, Jovenel Moïse, lancé appel tête ensemble, by tout secteur dans le pays, et en façon pour projet la réaliser, yo, rivé dans bénéfice population, sans aucune manœuvre ni la troublaille. Ministre Kiltia Communication, Joseph Guilherme Delva, renouvelé jeudi, dans le cadre d'une conférence pour la presse, volonté gouvernement, pour résoudre ensemble problème, pays a fait face, ministre l'a rappelé, GIFOR, gouvernement a fait, pour poter réponse à ces revendications qui JCO, renforcer institution yo, et puis, joindre Bourad, l'agent, bon côté, partenaire international yo. Corruption et transparence, mécanisme et enjeux, ces thèmes, yon colloque, deux jours, Université Kiskeya, dans tête collée avec 1804 instituts, a organisé 3 à 4 mai cap vinila. Avant un colloque ça, yon atelier organisé jeudi à pour différents membres médias pour sensibiliser yo sur rôle journaliste yo qu'a joué dans la bataille contre corruption. Mardi 1er mai a marqué 120 l'année existence journal Le Nouvelliste dans occasion directeur journal la Max Chauvette renouvelé engagement média pour continuer travail dans respect principe métier. Dans l'actualité internationale là, président américain Donald Trump qualifié publication question procureur spécial américain Robert Mueller comme une chasse aux sorcières dans cas d'enquête sous ingérence russe dans dernière campagne électorale américaine. Ces points ça y a qu'un pilote nombral développé pour rester branché Neptune. C'est avec page météo à l'ouvrir journal là, c'est collaborateur non Wilner Polidor qui a présenté nous. Mercredi 2 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là, temps vraiment instable sous pays là, sous région aussi en Alwe, qui ça qui causait ça. Nous gagnons un front qui trouve lui sous partie orientale Cuba. Font ça supposé arriver sous nous au cours de semaine là et même pendant week-end là. Et aussi nous gagnons un creux de basse couche qui trouve l'île en canal de la Mona et situation ça a provoqué une masse d'air humide et instable sous pays a et j'en garder là nous TPW très humide des côtés de 20 degrés et jeudi encore n'a pas avec quelques activités la pluie sous majorité département pays a et région sud là toujours concerné par activité la pluie les nous dit région sud n'a parlé de département Grand-Anse, Sud, Nip, Sud-Est et aussi département l'Ouest. Centre avec Artibonite aussi à concerner par activité la pluie. Et la pluie est capable de modérer à faute, accompagnée avec l'orage pour jeudi en fin d'après-midi, en soirée au cours de nuit. Là. Situation instabilité ça a persisté aussi demain, vendredi et samedi. Et gagner forte possibilité pour intensité la pluie augmenter dès demain sous majorité départementale mais vendredi possibilité encore plus forte sous tout pays à Jean-Noël sous image de précipitation c'est-à-dire au cours de journée supposé gain en pile la pluie sous pays à et la pluie ça va persister jusqu'à samedi et samedi c'est région sud de la Jean-Noël qui est concerné par avec la pluie ça et qui a vraiment modéré à forte sous région que nous sommes cité là par rapport avec situation instabilité et quantité de la pluie que nous prévoit sous majorité département dans le pays ou bien sous tout territoire national là
secrétariat permanent cap Géris avec DESAS, de concert avec UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti, avec DPC, direction protection civile, mandé avec toute population cap vive dans zone qui capable gagner éboulement avec glissement de terrain, surtout zone nous sommes cité cap gagner la pluie, ça a priorité vigilant parce que capable gagner zone qui inondée par rapport avec la pluie cap continuer tomber jeudi à demain jeudi à vendredi et samedi et éventuellement jusqu'à dimanche. Pour capitale avec zone qui a bien son capital qui a bas instabilité et sous image satellite ça nous tanguer un nuage sous département de l'Ouest et nuage ça a persisté au cours de journée en soirée au cours de nuit capable provoquer quelques averses isolées même modérées qui capable venir fort tout sous plusieurs quartiers qui concernent capitale avec zone qui environne lieu. Nous avons température qui a monté jusqu'à 34 degrés jeudi, puis va la descendre c'est 21 degrés Celsius dans nuit là. Et pour la mer, c'est une mer qui a agité non seulement sous côte nord et côte sud, mais par rapport avec la pluie que nous prévoit, visibilité a très réduit. Et si vous avez demandé capitaine d'embarcation, précaution avec prudence parce que la mer a visibilité a réduit et la mer a agité sous deux côtes ça, même si golfe de la Gonâve a la mer qui peut agiter, mais faire prendre précaution avec prudence. Et pour pas astronomique aujourd'hui a soleil là a couché à 7h12 minutes et l'a levé demain matin à 6h21 minutes. C'est tout ça en dégain pour situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. N'a croisé demain pour une autre page météorologique. J'ai noté annoncer l'antitude aux amis téléspectateurs, la présidence en tête collée avec ministère agriculture et puis ministère affaires sociales la célébrer fait travailler à Kagikilti, m'a dit 1er mai, dans la rivière Marion, qui trouvait dans la localité Grand Bassin, département Nord-Est pays. On gérait de l'eau pour augmenter production nationale là. C'est sous thème ça. Activité yot est déroulée à Nessa. Président République là, Jovenel Moïse, qui t'est gain avec la première dame République là, Martine Moïse, premier ministre là, Jacques Guy Lafontaine, avec diverses autres personnalités nationales, coûts internationales, t'es profité, lancé officiellement travail construction barrage sous rivière Marion. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Avec slogan Nord-Est pas de dernier, coupe présidentielle a participé dans fête travail avec Agriculti mardi 1er mai dans la rivière Marion qui trouvait dans la deuxième section Grand Bassin, commune Terrier Rouge dans le département Nord-Est. Une localité qui a fait face à un pile problème d'après l'autorité locale. Pourtant, c'est dans Marion, deuxième pigot central hydroélectrique pays après le construit. Mon Dieu dit 7 à 7 pour Haïti. Parce que Haïti souffre. Droite en bas président qui a passé, qui a monté, descend tout le temps, qui n'a jamais eu peur. C'est courir, passer, pas jamais vu atterrir dans la communauté, nous, la caille, nous. Président, chapeau bas. Président, jeunesse là, d'où y a besoin d'université. Il y a besoin d'école professionnelle pour les jeunes qui sont payés à aller au Chili. Il faut gagner une école professionnelle. Gagner une école professionnelle qui a bâti tout du Nord. Nous avons une volonté de gagner un projet en cours pour faire liberté pour l'école professionnelle. Mais nous avons une nécessité pour l'école professionnelle tout dans Wanamen. Si nous avons trois écoles professionnelles, nous avons Wanamen. Yon pour du Nord, yon pour liberté, sont pas importants liés pour débat. Président, mon terre rouge pour tout yon besoin l'hôpital. Son nécessité pour bon l'hôpital. Terre rouge situé au milieu des bâtiments. En gérer de l'eau pour augmenter production nationale là, c'est sous thème ça, ministère agriculture prend disposition pour bail faire ça tout en plein l'immérité. C'est occasion pour participants yon réfléchir sur rôle fondamental agriculture dans le projet de développement pays. Il y a un défi nouveau ministre agriculture, agronome Joubert Engrand, dit qu'il paraît pour lever. Je t'attendais avec le président avant de prendre tête ministre de l'agriculture, c'était nous était clair
sur la nécessité pour nous capables de réformer, restructurer le ministère de l'Agriculture et tout accompagner les producteurs dans tout appui qui est nécessaire. Donc nous connaissons un travail là pas facile, mais le ministère des Finances, le ministère de la Planification déjà pour mettre moi accompagner dans ça. Donc on a fait tout ça capable pour nous capables de résoudre tout problème qui est dans l'agriculture. Président de la République, la Jovenel Moïse, dit qu'il n'est pas normal pour le pays à pas qu'à fournir la quantité de manger nécessaire pour tout le peuple à joindre, alors que les ressources sont disponibles. Chef l'État m'a déministré l'agriculture pour marcher dans la ligne droite avec vision administration. Le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, c'est Wallou. C'est Wallou aujourd'hui pour développer l'agriculture du pays. C'est Wallou. Et très responsable. Chaque la loue sous dos, c'est pour porter. Parce que le pays n'a pas de droit à produire 42% de sale besoin pour le consommer. Bon série de produits de base, du riz, pois, maïs, poule, zé. Comment vous n'avez pas acheté au Mbap dit là dans micro pour m'ba dit même j'en dit m'di m'rete 15 mois pour courant mais ministre moi d'abord m'a dou combien mois n'rete pour bay pays à manger à 100% parce que fond produit quantité manger le pays a besoin pour le manger nous pas capable besoin 600 000 tonnes de riz pour manger et puis n'a produit 120 000 tonnes et puis nous gien la vallée de la Tibonite 50 000 hectares pleine Maribao 12 000 pleine Tobek 7 000 pleine Solon 1200, pleine Abraham 600, tout a perdu. Et puis, nous étions, chaque pleine Zayo, il y a bon rendement de tonnes à l'hectare. Et puis, nous devons nous, c'est à coup nous-mêmes, nous vivons dans la lune, nous qui sommes nous même qui avons 12 tonnes d'hectare, même si c'est sur la terre. Journée mardi 1er mai, c'est l'occasion pour chef l'État de lancer officiellement démarrage, travail, construction, barrage sur rivière Marion, qui pourra alimenter différentes communes dans le département nord-est là. Entre-temps, construction route terrier rouge Valier a déjà avancé. Jean-président République là te promet pour faire ça. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural en collaboration avec ministère affaires sociales et travail a réalisé traditionnelle foire agro-artisanale et gastronomique sous champ de Mars sorti 29 avril arrivé 1er mai 2018 là. Fois ça qui déroulait sous thème ingérer de l'eau pour augmenter production nationale là permettre plusieurs artisans à Catis mettez en valet Zevio. Mairie commune Akaye distribuer matériel agricole by plusieurs centaines paysans cap travail dans domaine agriculture dans occasion fête agriculture et travail mardi 1er mai. On contredit Lunel Jean-Louis à Cafrenel tout ça. Premier mai, rappelez-nous, c'est fête agriculture et travail que l'IEM. Et dans ce jour, ça, nous-mêmes, comme autorité locale, c'est une nécessité pour nous réunir avec planteurs, surtout les gens qui sont dans la section communale, pour nous partager ensemble avec eux, ça nous gagne. Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est travail vraiment vrai? Nous ne connaissons pas de travail en Haïti. Mais les gens qui sont dans la section communale, qui travaillent la terre, j'en nous sommes fait la semaine dernière, là, nous déportons des semences par les paysans. En deux sections communales. Et ce même ça, c'est un moment quand ils arrivent la pluie pour tomber, ils n'ont pas besoin d'outils pour s'écler, ils n'ont pas besoin de roues, ils n'ont pas besoin de piquois pour travailler la terre. Ah, mais nous-mêmes, puisque un minimum nous devons faire pour eux, nous prenons responsabilité aujourd'hui. Hein. Nous réunissons ensemble avec eux sur place publique là, pour que nous puissions partager avec nous, ça nous gagne. Et comme nous avons déjà ouais là, nous avons distribué 3000 outils par 3000 planteurs qui sont dans la section communale. Alors nous disons, les gens qui sont en pleine carrière, nous obligés de fermer les yeux nous sous les, pour que les gens qui sont dans la zone reculée, dans la section communale, dans la tête de la qui n'ont pas accès avec l'eau potable, qui n'ont pas accès avec l'électricité, mais si ça, son minimum pour que la mairie mette tête ensemble avec l'autre autorité locale pour nous arriver à faire distribution ça. Nous avons 6 sections communales là, nous avons un quartier Saint-Anne, ça fait 7 entités, nous pas 10 villes là, mais nous avons 6 sections communales, c'est avec Azek, Azek, nous avons fait distribution. Hein. Nous avons 3000 outils là, qui ont couteau de digo la donne, qui ont roue la donne, qui ont piqua à toute manche, parce que nous n'avons pas qu'à quitter le coupé pied bois pour faire manche, pour nous capables faire distribution. C'est vrai que 3000 outils, ils ne suffisent pour tout le monde qui est dans la section communale, mais ça, nous connaissons que c'est un bon début, parce que nous avons un grand couteau de 400 gouttes, yon piqua 500 gouttes, la mairie, organisation de base, nous mettons nous ensemble, nous faisons ça, nous pensons que les paysans ont compris, nous, et nous avons que chaque fois au moment ça arrive, nous avons créé, nous avons protégé les choses pour que votre ça, nous avons retourné à le jeune.
Institution Nouvelle Source a réalisé lundi 30 avril, Akmadi 1er mai, deux jours froids scientifiques et statistiques dans l'occasion Journée mondiale travail. Là, responsable l'école là, t'es profité, exposé travail et les vues réalisées pour année académique 2017-2018. Là, en suivant un reportage, Rodney d'Orléans avec Michaud Joseph. Année 2018 là marqué 6e année depuis institution Nouvelle Source prend décision pour réaliser série activités sa yo. Yon ensemble activité qui fait dans l'idée pour couronner et puis présenter ensemble travail élèves yo réalisé pendant année académique là dans plusieurs domaines tant que scientifique, littéraire et artistique. Janice Regis, c'est directrice institution ça. Nous toujours couronner activité sa yo par des présentations au public. Au niveau de littéraire là nous avons déjà avec le traité de la corruption. Au niveau culturel hier c'était Timon Fondamentalio qui était présenté les enfants de l'enfant de Lille et aujourd'hui c'est les femmes savantes. Du point de vue science, nous avons plusieurs présentations de projets que Timon a réalisé, que ont choisi mais à partir de matières que yo dans programme yo et nous voulons que timoun yo construit savoir yo. C'est pas professeur à son accompagnateur, c'est pas quelqu'un qui vient qu'a faire réciter timoun yo, faire des recherches pour que ça yo connait en rété parce que li visuel, li manipulatif, donc yo fait recherche et yo produit ça yo fait. Des journées activité ça qui t'est démarré lundi 30 avril 2018 là, t'es occasion tout pour responsable yo dans institution ça réaliser un concours pour élire quelques élèves pour aller représenter l'école là dans l'autre pays. Élection Miss et Mister Source. Miss et Mister Source, c'est des élèves qui passent plusieurs tests avant que yo élu pour l'école là et qui pour représenter l'école là à l'extérieur. Yo passe du point de vue académique, yo passe du point de vue l'art de parler, yo passe tout du point de vue talent et aujourd'hui yo pral fini par des questions d'un jury plus ou moins externe à l'institution, puis capable de choisir Miss et Mister Source. Dans l'occasion 6e édition Foire Institution Nouvelle Source, là, Janice Regis encourageait tout le monde qui est dans le secteur éducatif là, former Timounio une façon pour permettre d'être autonome avant même de commencer avec études universitaires. Ce qui pourrait contribuer, d'après directrice là, dans le développement pays. Tout le monde qui est dans le secteur éducation, la formation que a fait ce monde permet que l'on soit autonome très tôt. C'est-à-dire que l'on a que l'apprendre dans l'école là, qui permet que l'on sorti, et même avant de sortir, l'on déjà un agent de développement. L'on déjà un monde qui a produit, un monde tout qui est capable de jouer deux ou trois élèves ensemble avec lui, qui est capable de faire avancer une activité. Par exemple, nous avons des petits mouns informatiques là, ils ont arrangé pour faire un jeu. Ils étaient trois ou quatre en programmation qui sortaient un jeu. Mais je a, bon, nous aidons maintenant, je dis, nous avons annoncé la Play Store pour tout petit monde. Maintenant, c'est un début. Ils voulaient continuer pour qu'ils fassent beaucoup plus de jeux et ça a rapporté pour qu'ils capable de payer l'université après. Donc, c'est autant d'activités internes à l'intérieur d'une école. Côté si on en fait 5 heures à 7 heures par jour, ou supposé ballon formation pour que le pays joigne des agents de développement. C'est une vision de l'école là tout. La recherche et la technologie pour une éducation de qualité, c'est thème qui t'est kembé pour 6e édition Foire INS LAN pour l'année 2018 là. Fédération syndicat travailleurs et travailleuses électricité d'État d'Haïti Festred planté mardi 1er mai plusieurs tipiers bois et puis fait distribution 13 000 lots by population d'Écoville dans Mirbalè dans objectif pour protéger lac Peligla. Comité Festred là fait qu'on est c'est une initiative citoyenne yo prend dans l'idée pour permettre barrage Peligla une capacité pour produire plus courant. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Wilson Idoré. En faire reboisement pour Pelig pas disparaître, c'est axe slogan ça, Fédération syndicat travailleurs et travailleuses électricité d'État d'Haïti, mettez en terre plusieurs types de bois, fruitiers et forestiers dans la localité d'Écoville, commune Mibalè, dans l'idée pour protéger lac Peligla face à déboisement qu'a fait dans mon yo. Dégradation environnement ça a des conséquences sur capacité de production courant. Barrage Peligla t'a supposé fourni d'après dirigeant Festred yo. Je dis, nous comptons mettre 13 000 plantilles en bataille. Donc,
manifestation ça c'est pour salté jodi a. Ces plantes, c'est arbres forestiers et arbres fruitiers. Donc nous prenons tout diversifier qui l'en arbres fruitiers et diversifier tout qui l'en arbres forestiers de façon que pour que nous constater côté nous pour planter plante yo c'est sous tes paysans oui. Donc on va pas planter un bagaille sous tes paysans pour paysans pas vivre de lui. Et c'est ça qui fait que nous tenons compte pour que nous plantions en pile arbres forestiers. On a pile mango, en pile citron que nous comptons planter. Lorsque la pluie a tombé, eh bien toute allusion qui sortit dans tête maintenant, sabio yo descend yo vin assablé et lac là. Comité Fesred là dit yo applaudi projet courant 24 sur 24 président République Jovenel Moïse lancé a pendant yo encourager administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour renforcer EDH, n'en mettre plus moyens nécessaires et puis réparer divers réseaux EDH yo. Gouvernement vle bay courant 24 sur 24, nous croyons que gouvernement ge pou vin travail en dans institution ça rele EDH là, bal moyen passer l'ordre pour que au moins il améliore production. Nous prêts pour nous participer, pour nous écouter, mais dans diverses façons, nous avons dit ça déjà, nous étions ouverts pour nous avancer. Un comité suivi déjà mettait sous pied pour gérer le plan sur sa yo, une initiative magistrat Boukan Karia a quête notable félicité. Pendant yo annoncé, il a continué à sensibiliser la population sur le phénomène coupé pied bois dans mon yo. La mairie vraiment apprécié le travail que le syndicat EDH fait, journée 1er mai, côté que yo vini. Dans le patrimoine plateau PIA, ce n'est pas plateau central, dans le patrimoine national là, qui c'est barrage Péliglan. Donc pour que vous soyez capable de chercher des moyens et planter pieds bois dans toute périphérique là, de façon pour que vous soyez capable de protéger donc environnement. Donc là, vous pouvez l'équipe gros sous énergie PIA qui a disparu, ça veut dire Haïti qui a disparu. Donc ça, il suppose interpeller conscience tout citoyen, généralement tout le monde net, quel c'est syndicat EDH là, quel c'est emploi EDH, quel c'est président ou bien gouvernement. Ou bien lycée agronome, ingénieur, médecin, tout le monde, marchand, tout le monde doit mettre la main pour nous sauver l'environnement et Péliglan, hydroélectrique là. Parce que si nous ne faisons pas, eh bien mon cher, le pays d'Haïti vient pour plonger dans un blackout total. Programme rebasement ça, après poursuivre dans le barrage délugé, Somaturine, Gaïa et Caracol, d'après le comité Fédération syndicat travail et travailleuse électricité d'État d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse, une fois encore lancé appel tête ensemble, bail tout secteur dans le pays, une façon pour permettre tout projet la réaliser yo, river toucher population hein, sans aucune manœuvre ni la troublaille. Les affaires pays a pas adoré à régler dans chirépite politique d'après chef l'État qui t'a parlé dans cadre lancement construction barrage rivière Marion hein, dans département Nord-Est mardi 1er mai. Hein. En suivant extrait, dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duverny. Haïti, ce n'est pas seulement les gens qui sont noirs. Haïti, c'est les gens qui sont rouges, les gens qui sont noirs, les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres. Les gens qui vivent dans la section communale, les gens qui vivent dans la ville. C'est ça qui est Haïti. Hein. Et c'est Haïti, ça, depuis la campagne électorale, moi, pour arriver aujourd'hui. Hein. C'est Haïti ça nous continuer à prêcher. On Haïti côté tout haïtien, qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on rouge, qu'on noir, qu'on vive la ville ou qu'on vive en dehors, où nous devons mettre tête nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour génération à venir. C'est jodi a pour nous commencer nous-mêmes politiciens commencer mettre tête nous ensemble. Pour nous faire confiance blaye entre nous, pour nous retirer méfiance qui chita dans mitan nous, qui met pays à devant derrière depuis 1806 pour arriver aujourd'hui. Parce que ce n'est pas blanc qui t'a tué de Saline, c'est nous qui t'a tué. Aujourd'hui, il faut nous prendre conscience pour nous connaître. Nous ne pouvons pas continuer à gourmer en aclotte. Nous ne pouvons pas continuer à bataille dans Hingang ça. L'homme, ou sénateur, ou député. Un magistrat, un kazek, un azek, un délégué ville, un président. Peuple a voté, c'est pour tout le monde camper de elle dans ton mandat là pour le réaliser, ça le pour réaliser. Changement, yo visible. Changement, ce n'est pas dans la parole seulement. Changement, c'est pour nous poser dans l'action.
action nous-mêmes aujourd'hui, frère action qui est dans l'opposition politique là, aujourd'hui, faut nous suspendre servir avec vieux slogan, faut nous suspendre servir avec faiblesse peuple là, pour nous mettre tête nous ensemble, pour que pour nous travailler, pour nous quitter un pays meilleur pour Haïti. Élection pour qu'on commence. Nous pour qu'on joue élection. Bataille électorale là, commence trois bonheurs. En temps d'élection, c'est 2019, c'est octobre 2019, c'est octobre 2021. Je dis à pays a besoin de la paix. Pays a besoin de tranquillité, le besoin de sérénité, le besoin de coude à coude, fraternel. Haïtiens pour vivre ensemble, pour que barrage ça. Jean nous dit, nous voulons quitter 12 barrages d'irrigation dans le pays comme ça. Je dis à ces premiers qui ont construit là. Administration Moïse avec gouvernement Lafontaine décrété zéro tolérance d'un problème contrebande qui a fait chaque jour dans la zone frontière. Ça qui, d'après le président de la République, là, Jovenel Moïse, est représenté une plus gros morceau dans l'affaire corruption. Hein. Chef l'État a annoncé qu'un pile effort qu'a fait pour augmenter la présence de la police aux frontières qui séparait Haïti avec République Dominicaine parmi plusieurs mesures anticorruption administration là apprend pendant dernier jour saio. Président République Jovenel Moïse nan micro Sabine Jean-Étienne ak Jean-Naël Duverny. Moi connais gan pile problème. En pile problème nan frontière. Sénateur Larèche saute parler de affaire de Wanamet. Gen 59 points qui gen problème nan frontière. Et moi même moi dis c'est pas question de marché binational qui bail problème. Problème contrebande, nous dit, nous te dit l'autre jour, nous allons venir pour nous venir camper en face. Même la police nationale, nous parlons avec le directeur général là avant hier, qui dit qu'il y a plus de 250 policiers qui sont en formation. Et je remercie publiquement les États-Unis, le Canada qui a supporté nous pour que les policiers nous baillent en formation. En matière de surveillance de zone frontalière, moi t'arrête mais quitter pouvoir avec au moins 1000 policiers sous frontière qui surveillent toute ligne frontalière là. Moi t'arrête mais quitter pouvoir avec un pile soldat dans la mer qui pourra le courir travail que la police lui-même a fait qui joue un rôle de proximité. La police c'est lui qui l'a pour tout près peuple là pour jouer rôle lui la mer. Il est là pour jouer le rôle de défense nationale, la défense territoire. Avec les dîmes d'île, la frontière là, qui est poreuse aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité pour nous. C'est pour nous camper, pour nous dire, pour nous gérer la frontière là, parce que nous sommes peuple qui grand monde. Nous sommes peuple qui indépendant. Aujourd'hui, nous ne sommes pas camper pour la frontière à bon défi. Je dis, douane qui sous frontière. Faut qu'on connaisse aujourd'hui pour prendre responsabilité. Moi dis le clair, dans le niveau administration panouan, c'est zéro tolérance. Nous pas là pour encourager aucun monde qui comprenne c'est nos affaires contrebande qu'on comprenne ou qu'a fait richesse. L'on entre dans contrebande, c'est empêcher petit on l'autre malheureux à l'école. Dans l'occasion, il y a une conférence spéciale dans le ministère de la Communication, mercredi 2 mai, le ministre Kilti à la Communication, Joseph Guilherme-Sedelva, parlait sous différents points cap dominé actualité 1, question et revendication diverses secteurs, GFO, gouvernement a fait pour porter réponse à la revendication qui JCO pour renforcer l'institution yo, pour joindre Bourade l'agent. Bon côté partenaire international yo, c'est parmi différents points ministre communication abordé dans l'occasion. Un extrait Namiko Rachel Saint-Fort avec Laurent Dali Jean-Jacques. Comme communiqué qui sorti sur ça, je pense que nous recevons lui, c'est un communiqué sur participation délégation haïtienne qui est allée à Washington, qui était rencontré avec Banque mondiale, FMI et la BID. Côté gagné un engagement de plus de 90 millions de dollars d'appui budgétaire que le pays est capable de jouer avant de faire exercer ça. Je pense que c'est un bail extrêmement important. Dans le moment côté, jusqu'à présent, tout ça que le gouvernement, toute sa administration, Moïse Lafontaine a fait, c'est avec l'argent de l'État. Et nous connaissons que c'est pas que rien pays est assez solide pour faire face à toutes
besoin qui gagnait, toute revendication qui gagnait, j'en entendais un peu partout à différents niveaux et nous des revendications que Mounio gagnait, donc on capable de dire nous c'est des revendications légitimes. Mais nous comprenons tout que c'est pas en un an, ni deux ans, ni cinq ans, ni même 10 ans que tout problème pays d'Haïti pourra le résoudre. Donc c'est commencé pour nous commencer et je pense que le gouvernement ça avec le président Jovenel Moïse et le premier ministre Jacques Guy Lafontaine, je pense que yo bail le ton. C'est vrai, en pile moun pako, peut-être ouais, tout résultat effort qu'a fait yo, parce que j'en ai dit, c'est pas d'un coup ou après effet yo, mais n'a dit que gagné ou pas de la bonne direction. Là ouais que FMI, Banque mondiale et BID, Union européenne, ils ont pris une décision pour commencer à supporter le gouvernement à travers notamment plus de 90 millions de dollars que y a bail là. Et c'est parce que yo ouais signal ça. Yo ouais que le gouvernement lançait des signaux qui montraient que gain réforme qu'a fait dans l'état, gagné des dispositions qui faites pour gommer contre la corruption par exemple, gagné des dispositions qui faites pour assainir l'administration, pour faire des dépenses qui plus utiles et capoter des résultats concrets. Donc yo même y accepté pour appuyer le gouvernement pour marcher avec le gouvernement. L'autre bord, conférence spéciale ministère communication en té occasion pour parler sous GIFO qu'a fait pour permettre activité yo reprendre normalement dans office assurance véhicule contre tiers ou AVCT. Ministre Joseph Guilherme Delva a mandé employé yo pour reprendre travail pour faciliter institution à recommencer bail population service comme ça droit. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. OAVCT Kounia là a fonctionné un l'autre gens l'a fonctionné plus bien et comme si il y a des dépenses qui pas justifié que le pape fait et il dégagé un surplus de 56 millions de gourdes alors que c'est dans OJT il pas capé employé Kounia là dette de plus de près de 700 millions de gourdes qu'il dégagé par rapport à prestataire de services et de biens. Eh bien, c'est ça l'a épongé actuellement là. Et donc, on y a là, il est non positif. Il n'est pas dans négatif encore. Donc, nous sommes capables d'annoncer nous que actuellement là, service, circulation en AVCT, il reprend. Et nous-mêmes, nous demandons tout employé reprendre le travail. Yo, ok? Et il y a des gens qui font une menace tout pour ne pas le travail. Ça, yo, la loi punit, attention. Hein? La loi punit, parce que là, ça n'a pas fait syndicat après. Soit menacé moun parce que moun nan vle al travay. Parce que au moment syndical, son bagay libre. Faut moun nan senti libre pour le faire salve. S'il vle al travay, li pa al travay. Li pa vle al travay, c'est volonté le pou liye, c'est pas moun qui impose li. Donc nous connaît que genyen des moun qui a fait qui en dedans qui a fait l'autre moun menace et menace très grave. Gen note qui prend de ça pour que moun sa connaît que la loi punit ça. Les ça pense dit non, nous ou moun qui syndiqué qui a poursuivre non. L'offre est une menace, la loi punit. Notez ça, et je vais tout le monde noter ça pour ne pas dire pas de connaître. Mon cap dit qu'il y a une masse révocation. Révocation masse, non. Il y a fait l'autre révocation prévoit pour révoquer le monde, ce n'est pas vrai. Pas un plan comme ça pour révoquer le monde dans l'OAVCT. Okay? Donc, ça, c'est des rumeurs de monde qui voulait créer l'obéir. Donc, nous voulons préciser ça. Ou avec c'était cette stabilité là, c'est un processus de stabilisation que l'on a là. C'est le moment pour nous prendre une pause publicitaire. Restez branchés, Naptonin. Journal là après poursuivre. Yon groupe 16 députés écrit président Chambre députée à Gary Baudot vendredi 27 avril passé à pour demander interpeller gouvernement. Groupe ça a gagné la donne. Jean-Robert Bossé, Joseph Manès, lui, Deus Deronette, Bertrand Sinal, lui, Marcel Luméran, Vicarson Garnier, Reynald Exantus, Roger Millien, Claude Leslie Guillaume, Enel Apollon, Abel Descollines, Alcide Audenay, Pierre Fekier Julien, Baudelaire Noël Saint, Jean-Gabriel Lionel, Axmith Romial. D'après règlement intérieur Chambre députée, c'est conférence président Yo Kabgen pour décider sous date interpellation. En suivant.
nous adresser formellement une correspondance au bureau de la Chambre des députés pour solliciter l'interpellation du gouvernement qui vient en tête li et Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Et nous déposer cette demande depuis lundi, et espérant que Tabien conférence des présidents pour te trancher sur lui pour qu'a fixer la date, puisque selon le règlement intérieur, 5 députés seulement suffit pour faire une demande d'interpellation. Nous faisons en sorte que 16 signatures soient apposées sur la demande d'interpellation. Nous attendons que la conférence des présidents fixe la date d'interpellation. Aujourd'hui, c'est parce que nous avons réglé en question de groupe 16, ou du moins de minorité. Nous pensons que nous avons fait un travail parlementaire, là, qui est un travail de contrôle. Nous attendons le jour maintenant qui sera fixé par le bureau ou par la conférence des présidents pour nous faire débat au niveau assemblée, pour nous étaler maintenant par la nation l'ensemble des griefs que nous avons contre le gouvernement. Et puis tout, chaque collègue, chaque député, prend la responsabilité face à la nation. Député Kinskoff l'a dit, il n'est pas d'accord avec la décision groupe 16 députés au prend pour interpeller le gouvernement. Parlementaire a expliqué, puisque remaniement fin que fait dans le cabinet ministériel là, député Otado Etan, qui travaille, nouveau gouvernement a fait. Député Alfredo Antoine, qui reconnaît la constitution en bail collègue au droit pour faire interpellation, croit député Odoué bail nouveau gouvernement yon titan. Yon extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Si avant question remaniement, question d'interpellation t'es faite, nous t'ap comprendre bien fondé. Qu'on y a deux bagailles que société a posé tête. Est-ce que c'est pas dans remaniement gain insatisfaction? Est-ce que on t'ai attendre que cabinet ministériel qui t'ap monté a gain ministre qui t'ap pral faire partie qui t'ap sorti dans groupe paroi? Est-ce que son insatisfaction problème que t'ap posé nous? Est-ce que population lui-même côté population dans tout ça? Question interpellation, est-ce que c'est pour résoudre problème pays a vraiment? Parce que tout, c'est normal pour exercer pouvoir de contrôle, quelle que soit et tendance politique ou au niveau parlement. Mais chaque ministère a un budget. Est-ce que collègues n'ont parmi députés interpellateurs d'abord, est-ce que yo étudié question budget ministère par ministère, combien que yo arrivé épuisé dans budget ça, budget d'investissement? Qui cause que l'impact là ne pas sentir sous population. Et pour interpeller, la Constitution dit le clair, dans l'article 129 et suivant, si que nous pas arriver à un vote de censure, nous prenons 6 mois avant que nous réinterpeller le Premier ministre. Est-ce que groupe député interpellateur, ce n'est pas de véritable allié de Premier ministre, lorsque vous courez interpeller, sans que vous ne vous rendez compte, vous pas évalué remaniement pour que question remaniement pour évaluer ministre qui a une nouvelle mission ça qui travaille que vous pral faire est-ce que vous pral faire du travail pour peuple là donc ou pas même temps qu'on capable évaluer remaniement ça et puis on courir vers interpellation on pense que population qui vote nous l'est un peu troublé peuple ça a perdu moi pour que l'exécutif adresse des politiques publiques qui pour aller à dans avantage population. Dans ce qui gagne pour interpellation, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, ministre qu'il tient à communication, Joseph Guilherme-Sedelva, fait qu'on ait des matchs à rentrer dans le cadre de la prérogative palmant. Ministre a souhaité des matchs à faire dans l'intérêt pays. Pendant l'y inviter, chaque citoyen développer sens communauté la caillou pour travail pour bien-être société. Un extrait d'un micro Rachel Sinfo avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. N'a pas quitté processus là, suivre Koli. Et la loi a pas appliqué, la constitution a pas appliqué. Donc c'est ça nous souhaiter. Et nous souhaiter que tout ça fait dans l'intérêt pays. Hein. Attention. Nous souhaiter le fait dans l'intérêt pays. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un bagage qu'a fait parce que il y a des gens qui peut-être politiquement, c'est l'autre bagage qui peut-être y a défendre. C'est bon, c'est loyaux. Politiquement, il y a des agendas et en perspective de qui ça nous pas fin qu'on est. Mais, comme le président dit, je pense que c'est important. Côté dans l'opposition, côté dans le pouvoir, côté dans n'importe qui côté, dans n'importe qui parti politique, ça pour garder je ne veux dire, les routes qui fait, ce n'est pas pour tête calée, ou bien pour la Valasse, ou bien pour Fusion, ou bien pour OPL, ou bien pour l'autre parti politique. C'est pour le peuple haïtien. Tout le monde
quelque chose qu'on trouve, ou à bénéficier de lui. Donc, le gouvernement ou le président qui a fait travail ça, même si on est en opposition, ou pas qu'à chercher à bloquer le travail comme ça. Là, on fait ça. Premièrement, on travaille contre propre tête. Pas parce que c'est un dit ou à faire politique, ou j'ai espéré pour prendre pouvoir tout. Mais ou, alors, besoin, ou préférez venir dans un pays écrasé. Et puis, c'est recommencer ou pas recommencer. Mais si le président a une équipe qui vient, il fait un premier pas. Li gon gon bout route la le fait. Li fon bout route nan chemin développement pays a suivre là. Mais ou même a vini, ou pas continuer plus loin. Chaque sac vini a continuer plus loin. Fon fini avec ça ne relé la politique du pire. Nèg a comme si ça de c'est qu'on brite comme si c'est l'obeille, là c'est la danse sentir bien, on pas croire ça a pété pays a. Donc politique président d'Isaïe et me noter comme si ou parle avec vos politiciens là, li ouè so a fait a, li la parle avant, il dit mon cher président, mon cher Gion Bel, travail ou a fait là. Et mon cher, bon, c'est ça, mon cher, c'est très bien. Et parce que, ça l'a dit, pas menti, li, c'est vrai. Mais, le la radio, li dit l'autre parole. Et puis, quand le président dit, l'homme a dit, par exemple. Mais c'est pas ça, on te parle, j'aime ou te parle, ou te parle, l'audio, c'est pas ça. Il dit, ah, président, on est politique, n'a fait, bah, j'en, compliqué. Qui j'en? Ou pas qu'à faire comme ça, faut que, n'a dit courage pour dire bon ça bon ça pas bon tout qu'il doit dire comme gouvernement ça il pas venir là pour dire parfait comme si tout ça le fait parfait non non dame mais notre désir c'est pas gouvernement qui vient là lui dit comme si m'a dit même si selon l'autre planète il sorti ou bien c'est dans ciel il sorti tout ça le fait bon c'est bon Dieu c'est seul bon Dieu ou qu'a dit parfait pas que aucun monde sur la terre parfait gouvernement qui doit faire travail là gon problème là-dedans. Opposition, bien n'importe qui moun dans n'importe qui secteur, ou dit ah, président ou le gouvernement, gon problème là, dans ça n'a fait là, c'est vrai, nous faisons tel bail là, c'est très bien, mais là, gon problème. Eh bien, on met ensemble pour nous résoudre. C'est attitude ça pour nous gagner. Faut que nous voyons la communauté. Et il y a un plus gros problème pays d'Haïti gagner, moi, je dis ça, c'est parce que nous pas gagner le sens de la communauté. L'autre point dans le journal là, m'a dit 1er mai a marqué 120 l'année existence journal quotidien Le Nouvelliste. Dans l'occasion 120 l'année ça, il y a une équipe télévision nationale d'Haïti rencontré responsable journal là, Max Chauvet, qui a expliqué secret réussite quotidien ça. En suivant un reportage, John Herbie Casseus avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Mardi 2 mai 2018 là, fait 120 l'année depuis premier numéro journal quotidien Le Nouvelliste est sorti. À l'époque, en 1898, il était porté nom Le Matin. C'était service presse ancien député Port-au-Prince, Henri Chauvet, qui t'a fait impression. Dans la période ça, un grand journal t'a coûté 5 centimes. Sorti dans le premier rédacteur journal, Oswald Durand, pour arriver sous France Duval, Le Nouvelliste toujours fait travail dans le respect principe métier, selon le directeur journal, Max Chauvet. Quelle que soit la forme de l'information divulguée, c'est contenu qui est important. Et contenu, c'est quoi? C'est qualité journaliste ou gagné, qualité texte, enquête que vous produit, c'est lui qui a toujours fait la différence. Quel que soit que ce soit imprimé, quel que soit c'est audio, que c'est télévision, que c'est multimédia, chose là, on va revenir à l'essentiel qui est le contenu. Et c'est sous ça pour nous ne pas jamais perdre le focus là sur lui. Responsable institution fait qu'on est. Réussite Le Nouvelliste, chita nan bon collaboration, dévouement, accent professionnalisme qui te existé et qui a continué faire chimel. Toute entreprise est entreprise. Chaque entreprise a une spécificité, li gen difficulté, li gen avantage, li bay sa yo. Même pour avant tout, toute entreprise, c'est avant tout une histoire humaine. Ce sont des hommes et des femmes qui font une entreprise. Donc, premier conseil d'un bay tout jeune, c'est de bien s'entourer. D'avoir des collaborateurs à la hauteur, de les respecter. Parce que de toute façon, depuis collaborateur à bon, mon chef d'entreprise, depuis mon bon sens, l'a fait tout ça pour faire pour le Québec collaborateur. Quotidien Le Nouvelliste, c'est seul grand journal écrit dans le pays qui traversait deux siècles et qui toujours existait. C'est bon moment pour nous observer l'autre pause dans le journal là, restez branchés, Naptounet. Nous allons faire un coup de pied l'autre bord de l'eau. Président américain Donald Trump qualifié publication en question procuré et spécial américain Robert Mueller comme une chasse aux sorciers.
dans le cas d'enquête présumée sous ingérence russe pendant campagne électorale. Li. Pour qui reste spécial là, Robert Mueller, bon côté pâle, fait avocat président Trump, yo connaît, m'a dit 1er mai, hein, li commandé pour Trump comparaître devant la justice s'il refusait parler dans le cas d'enquête sous ingérence russe là. En suivant. Enquête officielle sous présumée ingérence russe pendant la campagne électorale n'a pas suspendu créer tension dans le pays États-Unis. Lundi 30 avril 2018, la New York Times publiait question procureur spécial américain Robert Mueller souhaitait poser président Trump dans quatre dossiers ça. Question qui transmet par Maison Blanche semblait indiquer enquêteur intéressé à qui un potentiel entrave avec la justice bon côté président américain. Sous Twitter, Donald Trump critiquait publication question yo côté le palais de yon chasse aux sorciers. Dossier présumé ingérence russe dans la campagne électorale a fait débat depuis l'élection Donald Trump. Washington Post révélé mardi 1er mai pour procureur Mueller a menacé Donald Trump pour le faire comparaître devant un grand jury. Si toutefois il a refusé de répondre aux questions enquêteurs fédéraux. La PDG Facebook, la Mark Zuckerberg, a dévoilé mardi 1er mai un nouveau mési pour faire fonctionner le réseau social mondial. Ça. Mark Zuckerberg expliquait utilisateur yo pral ka wè information sous application yo ak site web yo et puis effacer toute information yo gagnen sous compte yo et même autoriser désactiver yo. En suivant. Yon mois après annonce pillage en masse données personnelles utilisateur Facebook yo té victime. Patron premier réseau social mondial la multiplié mezi yo. Côté Mark Zuckerberg dévoilé mardi 1er mai yon nouveau fonctionnalité. D'après PDG Facebook la, Mark Zuckerberg, utilisateur yon capable effacer toute information sa yo sous compte yo et yon capable même autoriser désactiver yo. Annonce sa fête 15 jours après au fin de Mark Zuckerberg devant Congrès américain, côté le pat répond à toute question yon te pose l. Dans sens sa identité, tout moun kap diffuse publicité politique ou soit kap diffuse page publicitaire pral vérifier. Côté diffuseur, yo pral présenter en pièce identité officielle, toujours d'après PDG Facebook là. Mark Zuckerberg te profite pour annoncer tout lancement en service rencontre cap gratis. Mais quelques titres nous t'ont développé pour en gérer de l'eau pour augmenter la production nationale là. C'est sous thème ça, fête agriculture et travail là, célébré dans le pays. Cérémonie officielle là, déroulée à hier mardi 1er mai dans la rivière Marion, localité Grand Bassin dans le département Nord-Est. Dans l'occasion, célébration fête travail et agriculture, président République la Jovenel Moïse lancé appel tête ensemble by toute secteur. En dans pays a une façon pour projet la réaliser yo rivé dans bénéfice population en sans aucun manœuvre ni la troublaille. Ministre Kilti à communication en Joseph Guiller Sedelva renouvelé jeudi à dans cadre d'une conférence pour la presse volonté gouvernement pour résoudre ensemble problème pays a fait face ministre en rappelé j'ai fort gouvernement a fait pour porter réponse à revendications qui jissio renforcer institution yo et puis joindre bourade l'agent bon côté partenaire international yo. Mardi 1er mai marqué 120 l'année existence journal Le Nouveliste. Dans occasion directeur journal là Max Chauvette renouvelé engagement média pour continuer travail dans respect principe métier. Actualité à l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump qualifié publication question procurait et spécial américain Robert Mueller comme une chasse aux sorciers dans le cadre d'enquête sous ingérence russe dans la dernière campagne électorale américaine. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Restez suivre reste programmation. Bonne nuit tout le monde.